Bonjour à tous, on se retrouve pour la 88e partie du Let's Play de Alundra sur PlayStation. Allez, donc on va reprendre après en avoir terminé pendant des heures avec ce casino. Nous allons récupérer le troisième vaisseau de vie qui nous a été octroyé. Après avoir bataillé dans les jeux du casino pendant 15 jours. Enfin, voilà. Maintenant, on en a fini, donc 46 points de vie, hein. Ça aidera beaucoup pour la suite. Donc maintenant, nous allons quitter le casino et reprendre le cours de l'histoire. Non, mais laisse-moi passer, toi. Ouais. Tiens, d'ailleurs, en parlant de ça, il me restaurerait pas ma magie si... juste. Et quand je gagne, je suis toujours d'humeur généreuse, que tu dirais d'un verre à mon compte. Oui, vas-y. Et tu veux bien verser un verre, mon ami, ici? Bien sûr, normalement ça devrait me restaurer ma magie aussi. Voilà un verre du véritable rhum épicé du capitaine Méridinois. Hé hey, gamin, bois une gorgée, ça te fera pousser les poils du torse. Ou alors ça te fera cramer tous les poils. Voilà. Donc, comme... voilà, j'ai récupéré ma magie aussi. Voilà, comme ça vous reverrez la petite scène marrante. Allez, c'est parti. Donc là c'est contrôlé tout seul. Oui. Alors, il a insisté un petit peu sur les touches de direction et devrait finir par repartir. Voilà, ça y est. Voilà, donc maintenant j'ai même récupéré ma magie, c'est gratuit, tant qu'on y est. Donc maintenant, comme nous l'avait demandé Cephas, nous allons aller chez Nova pour récupérer la dernière armoirie dont nous avons besoin. Normalement, ça doit être dans le coin. Ouais, voilà. J'ai juste à descendre en bas. Descendre en bas, vous allez me dire forcément. Et oui, nous allons descendre en bas. Non, parce qu'on peut pas vraiment descendre en haut, hein. Donc nous voici chez Nova. Et là, eh ben il est pas là. Mais son absence nous permet d'accéder à cet escalier. C'est parti. Cachette de Nova. C'est, j'arrive même plus à lire. Ça faisait longtemps. Donc là pour l'instant c'est pas compliqué. Il y a pas 36 solutions, pas 36 chemins je veux dire. Toi dégage, toi dégage, toi dégage. C'est quand même pratique, hein, maintenant en un seul coup il crève. Y'a rien par là. Ok, c'était juste pour être sûr. T'as au passage la musique, elle vous rappellera peut-être quelques petits souvenirs, hein. C'était la même musique dans le manoir de Tarn au tout début du jeu. Voilà, maintenant c'est par là que ça se passe. Oh, quels insectes que j'aime pas. Tout droit venu de Magiscar, ceux-là. Aïe. Voilà, donc là, vous voyez qu'il y a trois sorties. Donc, en fait, là, on est dans une espèce de labyrinthe, donc faut pas se bourrer, hein. Alors ici, la première salle, c'est le milieu. Encore des bons vieux insectes que j'aime pas. Crève. Alors ici, toujours pareil, hein. Donc ici, pour cette deuxième salle... c'est à gauche. Oh, là aussi ces espèces de golems que je déteste. Il y a encore un petit bug de collision là. Donc là vous voyez sur le passage, au passage que les carrés au sol, hein, je vais devoir faire péter tout ça avec des bombes. Hop, normalement si je me gourre pas c'est celle-là. Et c'est parti. Ah, ouais, je suis trop bas. Je suis coincé, attendez, je suis coincé. Attends, ça y est. Où est le dernier que je m'en débarrasse? Oh merde. Voilà, donc ensuite c'est au milieu ici. Ah, voilà une salle intéressante, c'est ici que je voulais arriver. Donc vous voyez qu'il y a des globes violets et une porte ici.
Donc là les globes c'est pas la peine, hein, ils s'allument pas, hein, ça sert à rien d'essayer d'interagir avec eux, y'a pas d'action. Donc ce qu'il va falloir c'est allumer tous ces globes pour ouvrir la porte qui est ici. Celui qui veut franchir cette porte doit d'abord faire pénétrer la lumière dans chaque salle. Voilà, donc comme Diane vous l'explique. Qu'est-ce qui se passe? Quelque chose tremble à terre avec un bruit sourd et lointain. En bref. Donc maintenant, comme le texte vient de le dire, dans chaque salle, comme celle que je viens de passer, il y aura une sphère à allumer, ce qui allumera automatiquement une sphère qui est ici. Donc on va commencer. Donc je dois prendre l'ouverture de gauche. Donc là ici, c'est pas compliqué. Là vous reconnaissez la première salle. Hein. Mais genre j'ai loupé. Non mais c'est dingue, ils sont au-dessus de moi. Et hop, et de 1. Alors ensuite, ok, je sors à la gauche. Excusez-moi parce que j'ai pris la peine de prendre des notes, hein, ici, parce que sinon c'est vraiment labyrinthique, hein, mais à mort, quoi. Oui, c'est par là. Donc faire attention de pas prendre les portes ici. Donc là, je dois prendre le tonneau. Je sais pas trop pourquoi, je sais pas trop quoi va bien me servir, mais bon. Allez. Hop. Ensuite, c'est ici que je dois sortir. Ah, revoilà mes noms, bon vieux golem liquéfié. Aïe. Voilà, ce qui me permet de récupérer ça. Ensuite, c'est toujours à gauche ici. Alors là c'est un peu plus spécial, hein. Vous voyez qu'il y a les trois portes, mais vous voyez surtout qu'il y a des ouvertures sur les côtés. Donc voyons ça. Oui. Mais elles servent à quoi ces ouvertures? Mais ça sert à rien. Ah, attendez. Je vois qu'il y a un coffre derrière, je commence à voir ce qu'il faut. En fait, il faut que celui-ci, il faut monter. Ouais, forcément. Attendez, je suis où là? C'est vraiment pas évident de se repérer dans ce bric-à-brac. Ah, mais attendez, sérieux, je me trouve pas. Vas-y, je viens de me trouver. Non, mais c'est le bordel à mort. Attendez, c'est celle-là que je dois prendre alors? On va y arriver. Ah, là vous voyez le petit globe au passage. Je suis où? Enfin bref, donc l'idée elle est là, hein, mais faut que j'y arrive. Hein. Hop, 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 hop. Mais attendez, mais comment je fais pour accéder à ce globe? J'ai dû louper un épisode. Attendez, j'essaye des trucs parce que normalement je vais y arriver, hein. Vous inquiétez pas, je vais finir par. Ah bah voilà. Ça y est, j'ai enfin le coffre. Allez, une herbe. Tiens, tant qu'à faire. On a fini par y arriver, mais c'est n'importe quoi. Attendez. Normalement, si j'en crois. Je suis où encore là? Voilà. Bon, maintenant il faut que j'arrive à ressortir de ce bric-à-brac. Franchement, c'est n'importe quoi celui qui a eu. Non mais franchement, autant le jeu est bon, mais franchement les développeurs ils ont fait du n'importe quoi avec ça. Hein. Comment vous voulez qu'on se repère? Enfin bref, donc maintenant que j'ai fait ça, il faut prendre la bonne sortie. Hop, il faut sortir ici. Ah. Revoici nos amis les poissons. Et comment vous voulez que je fasse? Là. Ensuite, c'est qui va se mettre à sauter? Et de deux. Par contre, si l'autre pouvait revenir, ça m'arrangerait. À moins que j'arrive à sauter. Ah, mais sérieux, j'ai loupé. Et là, je l'ai loupé, mais lui, il m'a pas raté. Ben enfin! Merde. N'importe quoi. Enfin, donc maintenant, ce qu'il faut, c'est que je me gourre pas d'abord. Hop, je saute là.
Et c'est parti. Donc ensuite, il faut sortir par où? Par l'ouverture du milieu. Et revoilà nos amis les insectes que j'aime pas. Tiens, c'est bizarre, je suis pas déjà passé ici. Ah si, elle est allumée. Attendez, c'est bizarre ça. Ok, on va sortir là. Ah, je reconnais aussi cette salle. Et là, je pense que cette fois-ci, les plaques, il va falloir que j'en fasse sauter plusieurs. A mon avis, le globe doit être dans un de ces trous. Ok, ah bah j'ai toujours la bombe. Je pensais que je me l'étais enlevé. Hop. Pour l'instant. Oups. Mais sérieux, où ils l'ont claqué? Attendez, j'ai dû rater un épisode là. Non mais je crois que ça y est, je crois que j'ai dû me réussir à me baumer. J'ai pris des notes pour pas me perdre, mais j'ai réussi à me perdre, vous allez voir. Ça va être fort. De toute façon, vous devez commencer à avoir l'habitude. Hein. Ah bah le vlog, je savais bien, non mais oh. Merci. Par contre, j'ai juste une question. Je sors comment? Ah bon, comme ça. Ok. Bon, attendez, je sais vraiment pas où j'en suis là. Là, je sais plus où je dois sortir. Là, c'est vraiment la fête, c'est vraiment génial. Non, je sais pas, absolument pas où je dois aller. Je trouve que j'en prenne une au pif. Je me suis planté. Bon, je pense que. C'est quand même pas mal parce que même en paumant, je suis tombé dans une salle que je dois faire. Aïe! Voilà. Merci. Par contre, j'ai juste dit sur les tonneaux, ils vont me servir à quoi? Tiens, un faucon doré au passage. Ça me rend combien ça? 43? Ouais. Bon. Les tonneaux, j'ai absolument pas la moindre idée de à quoi ils peuvent bien servir. Donc, apparemment, je dois sortir par là. Ah, revoilà nos amis les poissons qui vont bien me faire chier encore. Allez, venez. Allez, ressaute, please. Mais, tu vas ressauter. D'accord, la collision elle est encore hasardeuse. Hein. Voyons. Je suis juste en train de me demander où est-ce que je dois mettre le coffre en fait. Le tonneau. Parce que si je peux me permettre de faire une... Je peux même pas faire ce saut là. Attendez. Non mais comment vous voulez que je ressaute là? Mais... Non, je veux sauter! Mais c'est trop loin! À moins que je saute de ce point là, je dois bien pouvoir revenir, non? Voilà, merci! Mais il y a juste un truc qui m'inquiète, si je veux dire si je prends le tonneau, faut pas que j'envoie à l'eau en plus. Oh ouais, ça c'est joli. Ok, je reprends le tonneau s'il y a moyen, merci. Je me mets là et je l'envoie en bas. Et merde. Ah putain, j'ai réussi à allumer la torche, comment j'ai fait? Ça c'est pas mal. Ah non mais ça faudra la ressortir celle-là, non j'ai franchement jamais vu. Bon, en tout cas, de toute façon, on va s'arrêter là-dessus, hein, puisque j'ai plus le temps. Donc, je vous dis ciao. Et à la prochaine. Well, here we are again. It's always such a pleasure. Remember when you tried to kill me twice? Oh, how we laughed and laughed. Except I wasn't laughing. Under the circumstances, I've been shockingly nice. You want your freedom?